chef d'entreprise, on est tous le nez dans le guidon, les affaires sont plus compliquées, on passe beaucoup de temps, et il y a déjà beaucoup d'amis que je ne voyais plus, il y a beaucoup d'amis que je retrouve à la JAV, les soirs des matchs, les soirs comme ce soir, ce qui permet d'échanger, ça permet de faire des affaires. Et puis voilà, la preuve, on ne se connaissait pas il y a 6 mois ou un an. Voilà, il y a un an, on ne se connaissait pas. Voilà. Puis là, on se croise, on a plaisir à se revoir. On a plaisir à parler business ensemble, à faire des affaires, à boire un verre ensemble, côté convivial, et puis, à développer notre réseau. C'est vrai que c'est intéressant de rencontrer du monde, qu'on voit dans un autre cadre que dans l'entreprise. Voilà, et puis c'est totalement différent, enfin, c'est super. Écoutez, c'est un grand réseau qui commence à s'affirmer et qui ne demande qu'à se développer. Nous, en tant qu'agent de développement économique, quand on est auprès des porteurs de projets, des entreprises qui veulent créer ou se développer, bien le réseau, c'est tout ce qui constitue justement un appui, parce que nous, on considère qu'il ne faut pas rester seul. Hein, quand on veut créer ou vraiment faire grandir une entreprise, il faut un réseau. Donc nous, on est présent dans ce réseau-là. Ça nous permet déjà de rencontrer plein de personnes, de voir comment les choses évoluent, de voir comment les gens vont. Et en plus de ça, il y a les conviviales. Donc c'est très bien. Et aujourd'hui, eh bien, ma mission avec la JAV, c'est d'inviter des entrepreneurs qui ne sont pas partenaires de la JAV et puis de leur faire découvrir le spectacle, de leur faire découvrir ce qui se passe, l'avant-match, l'après-match, de créer du réseau, de rencontrer des gens, d'échanger. Et ensuite, et bien de faire en sorte que ces entreprises deviennent des partenaires officiels. Le réseau Jeune Entreprise, JAVCM, Clermont Métropole, oui, est pertinent, bien évidemment. En plus, je crois qu'il y a plus de 200 partenaires, donc c'est assez conséquent. Et je pense que ce chiffre grandira dans le futur. Donc oui, bien sûr que c'est pertinent. Et je pense que nous avons tout à fait vraiment une envie et puis un besoin de ce réseau qui va se densifier. Et puis avec la future région qui se met en place maintenant. Donc oui, le réseau de la JAVCM a pris sa place et je pense continuera à grandir avec la grande région de demain.